Je suis un peu un médecin de l'entreprise vis-à-vis de la partie DSI. Diagnostiquer, résoudre des problématiques, l'entraîner, hein, c'est exactement comme un corps humain, un système d'information. C'est quelque chose qui parfois manque de souffle et donc il faut l'entraîner. Il faut faire un certain nombre de choses qui ressemblent très étrangement à de la médecine. Et l'autre pan qui est très intéressant, on est le carrefour de l'ensemble des métiers orientés vers le client, mais aussi de l'ensemble des autres fonctions support ou autres business partners. On est systématiquement sollicité pour tout. C'est logique puisque tout est de plus en plus informatisé, digitalisé, interconnecté. Et donc, à chaque fois qu'on touche quelque chose, finalement, on fait une évolution, soit un peu en mode lean, soit on fait une transformation parce que finalement, on va changer les habitudes de nos clients. Et parfois, on fait carrément un projet complètement structurant pour un marché complet, quoi. Peu importe l'échelle, que ce soit finalement du backlog sur un service rendu existant aujourd'hui sur lequel on fait des améliorations, que ce soit un projet complètement transformatif, ça reste finalement de la transformation qui nécessite un accompagnement, de la conduite au changement, et surtout bah, pour que ça se passe bien et que ça soit fait au bon endroit, au bon moment, avec le bon delivery, il faut que ça soit ritualisé et rythmé.